अरुणः सारथी सदा श्वेतपद्म धरम देवं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बंधूक पुष्प संकाशम सहार कुंडल भूषणम एक चक्र धरम देवम त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम् लोहित वर्ण संकाशम सर्वलोक पितामहम् सर्वव्याधि हरम देवम त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम् Au pied des pentes himalayennes, au bord de la rivière Ravi, qui coule à travers la partie sud du Jammu et Cachemire, se trouve la Basoli de nos jours. C'est une ville endormie aux maisons aux toits plats et aux temples s'élevant vers le ciel. Connue jadis sous le nom de Vishwastali, c'était autrefois un lieu de pèlerinage prospère et un centre de commerce florissant. À l'époque, le palais magnifique de la dynastie Pal dominait le paysage tout entier. C'était pendant le règne de roi Kirpalpal que ce petit royaume laissa sa marque sur la scène culturelle de l'Inde, comme foyer de l'une des écoles majeures de la peinture miniature. Kirpalpal fut couronné roi en 1678. L'une des œuvres préférées du roi était la Rasamanjari, ou bouquet enchanteur, un long poème d'amour romantique écrit au XVe siècle par Bhanudatta de Bihar. Le roi passa au maître peintre Devidas de Nordpur la commande d'illustrer ce long poème. Les archives originelles de la cour de Kirpalpal sont conservées jusqu'à nos jours chez le Raj Joshi, ou grand prêtre de Basoli. Le texte sanskrit, écrit sur feuille de palmier, note que Devidas acheva son travail en 1693. L'horoscope du roi Kirpalpal, datant de plus de 300 ans, fait remonter la descendance des rois Basoli aux Pandavas, les héros de la grande épopée indienne du Mahabharata. Cette peinture montre le roi Kirpalpal. Et cette peinture Basoli dépeint les sept sages sacrés de l'hindouisme. Le peintre a dû baser les personnages, leurs attitudes et gestes sur les moines et fakirs qu'il avait vus. Le roi Kirpalpal était un fervent du seigneur Vishnu qui forme l'inspiration centrale des peintures Basoli. Au Jammu et Cachemire, la philosophie hindoue a joué un rôle spécial pour influencer le soufisme islamique. Le Jammu et Cachemire, avec ses beaux paysages, est le lieu d'origine de nombreuses œuvres érudites en sanskrit. À un moment, la vallée du Cachemire a même rivalisé avec Benares comme centre d'érudition. Ici, le sage Patanjali a composé le Yoga Sutra, la toute première étude systématique du yoga. Bharat Muni, un grand sage, écrivit le Natya Shastra au IIe siècle avant Jésus-Christ. Cet ancien classique sur la danse, la musique et la poésie continue à inspirer les artistes encore aujourd'hui. Le XVIIe siècle vit un renouveau du vishnouisme en Inde du Nord. Le vishnouisme préconise la libération de l'homme par l'abandon amoureux à Dieu. Pendant des siècles, les hindous et les musulmans du Jammu et Cachemire y ont vécu en harmonie, chacun influençant l'autre. Les soufis islamiques ont ici un caractère unique en ce que eux aussi cherchent à renoncer au monde physique pour se remettre entièrement au divin.
Les liens entre l'hindouisme et le soufisme étaient si étroits que les soufis étaient connus ici comme des rishis, sages musulmans. Citons parmi les plus célèbres le cheikh Nuruddin, appelé affectueusement Nand Rishi. Nombreux hindous et musulmans devinrent ses disciples et on offre encore aujourd'hui des fleurs et récite des prières à son mausolée à Sharar-e-Sharif. Les soufis estiment que leurs chants mystiques, ou Sufiana Kalam, font élever l'esprit à un état d'extase divine. J'allais à Médina et priais, mais mon cœur ne fut pas purifié. La crasse resta. Brise les chaînes des biens matériels. Construis une mosquée dans ton cœur. Et vois Dieu dedans. Nombreux saints de l'Asie centrale vinrent dans la vallée du Cachemire pour y propager le soufisme. Citons, parmi les premiers pasteurs, le Hazrat Amir Kabir Shah Hamdan. Le prince moghol Dara Shikoh, qui s'intéressait profondément au soufisme, fit construire ce mausolée pour le saint soufi Makhdoom Sahib. En 1649, il fit construire ce mémorial à son instructeur soufi Akhund Mulla Shah, qui était un spécialiste de la philosophie hindoue également. Tasgir Sahib fut construit en 1767 suite au conseil du grand saint soufi Saki Shah Muhammad Fazil. Arrivant ici de Bagdad, ce saint fit accepter la secte Qadri au Cachemire. Ici, c'est le mausolée d'Aknoum Shah, encore un autre saint soufi. Au XVIIe siècle, le prince Dara Shikoh fit construire le Pari Mahal, un séminaire pour les mystiques soufis. Au milieu du XVIIe siècle, le roi Sangram Pal de Bassoli se rendit en visite à la cour moghole et c'est ainsi que débuta une amitié durable avec le prince Dara Shikoh. Le puritain Aurangzeb, qui méprisait toute chose artistique, monta sur le trône de Delhi en 1658. Les artistes qui s'enfuirent de la cour moghole reçurent une protection culturelle à Bassoli. Le roi Kirpal Pal était le neveu de Sangram Pal. Il passa au peintre bien connu Devidas la commande d'illustrer le poème Ramasanjari de Banu Datta. L'œuvre, tant du poète que du peintre, s'ouvre par un hommage rendu au seigneur Shiva.
Les 138 vers vibrants de la Rasa Manjari explorent le Sringara Rasa, ou la saveur de l'amour sous toutes ses nuances. Le Sringara est considéré comme le roi de toutes les essences. La Rasa Manjari occupe une place unique dans la poésie romantique en sanskrit, car elle est vouée à la classification des héros et des héroïnes. Selon leur situation dans l'amour, il y a 8 principaux genres d'amants. Les racines d'une telle classification des amants se trouvent dans le Natya Shastra de Bharat Muni, le texte en existence le plus ancien du monde sur tous les aspects du théâtre et de la technique scénique. L'accent, tant dans le poème que dans les peintures, est mis sur la Nayika, ou l'héroïne, plutôt que le Nayak, ou héros. Krishna apparaissent sous forme de l'amant divin dans certaines des peintures. Le seigneur Shiva et Rama figurent également dans les peintures d'Asa Manjari. La bien-aimée attend son amant divin. Contant des histoires, elle endort ses beaux-parents en les berçant. Elle recouvre les cages des oiseaux et congédie la servante. Puis, éteignant la lampe d'un coup de son sari, elle s'allonge discrètement sur le lit. C'est alors que son amant s'approche, en retenant son souffle pour les doux rites de l'amour. La servante dit à Radha que Krishna dort. Jeune amant divin. Oh, beauté aux yeux de lotus, qui sera la bienheureuse, qui laissera des marques d'ongles sur ta poitrine? Celle qui est aimée d'un amour fervent. Bien que j'ai refusé ses avances, mon amoureux me poursuit. Que dois-je faire donc? Oh, ami. L'amoureuse délaissée. Les nuages noirs assourdissants rugissent comme le buffle furieux de Yama, dieu de la mort, foulant aux pieds le serpent de la patience, franchissant le fleuve de la modestie, elle recherche son amant. Ne l'y trouvant point, elle a le cœur brisé. Thank you.
ne l'y trouveront point. Elle a le cœur brisé. Celle qui est amenée d'un amour fervent. Oh, ami, mon amant m'adore. Il me poursuit, désertant d'autres demoiselles aux yeux de biche, dont le tintement des bijoux l'invite à venir. Héroïne enivrée par l'amour. Bien-aimée se préparant à accueillir l'amant, elle roucoule comme une colombe pour son amant, tendant ses mains de lotus. Amoureuse dont le mari s'éloigne. À mesure que le Seigneur Krishna s'éloigne, l'amoureuse enlève sa guirlande de pétales de lotus. Son bracelet glisse vers son poignet comme pour prendre son pli. Cette peinture incarne le rag vinod de la musique classique, dénotant le plaisir. Les rags Mistran et Vinod étaient particulièrement en vogue chez les musiciens des collines. Comme un serpent enivré. L'amant Ratipriya ne se lasse jamais de faire l'amour. Dans la classification de Bhanudatta, ce genre d'amante adore la terre même que foule son bien-aimé.
bien-aimé délaissé suite à une dispute avec l'amoureux. Oh, ami, j'ai le signe du lotus sur ma paume. Jupiter me promet le bonheur dans mon horoscope. Les lignes de la bonne chance sillonnent mon front. Tous des signes prometteurs. Pourtant, je me mets en colère. Maudite est ma vie, mon amour, ma jeunesse. L'art bassoli marque l'esprit de l'harmonie hindou-musulmane. Ce style de peinture synthétise l'art folklorique vibrant des collines, ayant ses bases dans la mythologie hindoue, avec les techniques à pinceau fin des artistes moghols. Les peintures baignent dans des couleurs chaudes et vibrantes, restées vives jusqu'à nos jours. Les peintres écrasaient les couleurs végétales sur des dalles de pierre. Il fallait parfois un an pour réaliser un seul pigment parfait. La poudre rouge sacrée des temples servait pour réaliser l'orange et le lapis lazuli donnait l'indigo. La poudre de l'or réel était utilisée pour créer les teintes dorées et certains se servaient des ailes de scarabée pour peindre des bijoux. La peinture était effectuée sur du papier fait à la main à partir du jute, du bambou, des légumes et de la soie. La courtisane va au-devant de son amant. Sa poitrine se soulève, ses vêtements s'agitent, ses bijoux d'or se balancent, son allure charme. La voilà, la courtisane, allant vers son amant dans son lit. L'ami se plaint auprès de la bien-aimée. Le mari est parti. Thank you.
Radha demande conseil à son ami. La courtisane délaissée. L'amoureuse arrive au devant de Krishna. L'ami divin informe l'héroïne que Krishna l'attend à l'extérieur. La jeunesse prépare une surprise. Son visage rond comme la lune, ses grands yeux se reflètent dans l'étang. Elle écarte les fleurs de ses cheveux, ses hanches sont lourdes. Innocente, elle se demande. Suis-je fatiguée peut-être ? Est-ce la seule fatigue ? Radha parle à l'ami. Bien-aimé cherchant son amant. Sa
sa poitrine se soulève, ses pieds tendres comme des bourgeons à feuilles. Elle s'aventure dans la nuit, montée sur le char de l'ardeur du désir. Amant éloigné par une brouille. Héroïne et amie. Le lit prêt, elle attend son amant. L'amoureuse aux yeux de biche se part, son beau corps scintillant, d'or et de fleurs qui est acquis, fait briller la chambre. L'amoureuse exprime la Rati Bhava, ou sentiment d'amour, par des mouvements délicats de ses yeux, ses sourcils et ses membres. Elle murmure de douces paroles d'amour. Les sentiments aussi étaient classés par les grands sages dans l'œuvre sur les formes de la danse. Le Seigneur Vishnu endormi sur le serpent divin. Un lien d'enivrement divin. Ami appliquant de la pâte de santal sur la poitrine de l'héroïne. On voit, à l'arrière-fond de la peinture, les 9 incarnations du Seigneur Vishnu. Le vishnouïsme était l'inspiration centrale des peintures d'Asoli. Un chercheur de l'amour.
amoureux nouveau marié. Serrée dans des bras aimants, la nouvelle mariée lutte pour se libérer. La conquérir est comme essayer de garder stable le vif argent sur la paume de la main. L'amant habile offre deux bijoux, l'un à l'aîné, l'autre à elle. Elle, celle dont il aime caresser la poitrine. Le Seigneur Krishna est sa bien-aimée. La bien-aimée est séparée de son amant. La bien-aimée, aimée d'un amour ardent. La bien-aimée attend son amant au lit tout préparé. La nouvelle mariée regarde les préparatifs pour satisfaire les désirs de l'amant. Une amie enfile des perles sur un collier, une autre attache une ceinture. La bien-aimée cherche son amant. Ô amie, pour celles qui cherchent leurs amants, la nuit se fait jour, l'obscurité se fait lumière, même la traversée de la forêt se fait facile. Thank you.
पहाड़ों पे सैया जी का गाऊं, काबिद मिलने को जाऊं, सजनिया La bien-aimée se prépare à accueillir l'amant. La bien-aimée, posée, se met ouvertement en colère. La bien-aimée s'est disputée avec son mari. La bien-aimée ne se concilie point avec son mari. Elle ne parle pas à ses amis. Mais quand souffle la brise portant l'odeur du santal, elle ressent un vide dedans. Deux amoureux. L'amante crédule. L'amante posée prend plaisir à l'amour. La nuit s'envole à faire l'amour. À moitié endormi, il demande si le soleil s'est levé. L'amant s'empresse à se couvrir les oreilles comme pour écarter le matin. La bien-aimée gronde tendrement son amant. Deux amoureux. La bien-aimée anticipe l'aspiration. Pour toi, j'ai marché sur des serpents. Désobéi aux aînés, perdu toute discrétion. Maintenant tu vas partir, me laissant endurer les supplices de tous les enfers. Deux amoureuses et le Seigneur Krishna. L'amante délaissée. Les amis conduisirent la nouvelle mariée au bosquet. Le vide était étouffant.
Elle ne pouvait ni rester, ni partir. Elle regardait le bosquet nuageux avec le bourdonnement des abeilles affamées. Le Seigneur Krishna attend sa bien-aimée devant le palais. Celles-ci sont des héroïnes célibataires. Oh esprit, renonce à tes façons enjouées. Oh paupières, soyez grands ouverts. Oh Dieu de l'amour, pardonne-moi. Le Seigneur Krishna est ici. La poésie de Bhanudatta et les peintures de la Rasamanjari n'ont peut-être jamais été surpassées pour le jeu délicieux de la passion, pour leur exploration des sentiments et sensations féminins, pour l'abandon total de Radha à Krishna ou de l'amour humain à l'amour divin.